stronger. Well, to continue. Pour continuer après cette blague. I never thought an Englishman was capable of it before. Je n'aurais jamais cru qu'un Anglais soit capable de traduire. We're not notable for being good at languages, we English. Nous n'avons pas la réputation, nous Britanniques, d'être bons en langue. And I praise the Lord for the gift that God's given my dear brother. Et je loue Dieu pour le don qu'il a accordé à mon frère. Because to throw English into another language isn't easy. Parce que pour transmettre l'anglais dans une autre langue n'est pas facile. If the other language is your mother tongue, then that's not so difficult. Si l'autre langue est votre langue maternelle, ce n'est pas autant difficile. But I believe that my dear brother Mike has really become a Frenchman. Et je crois que mon frère Mike est devenu français. I call him my English Frenchman. Je l'appelle mon français anglais. Well, that's wonderful. That's how it should be. Comme cela que ça doit être. Complete identification with the people to whom God has sent us. Une identification avec le peuple auquel Dieu nous a envoyé. Jesus completely identified himself with men when he came to them. Jésus s'est identifié avec la race humaine lorsqu'il est venu sur terre. And we must aim to be more and more identified with the people to whom God has sent us. Et nous devrions avoir comme objectif d'être identifiés avec le peuple auquel Dieu nous envoie. So praise the Lord for that. Donc, louons Dieu pour cela. I think Brother Mike's been as surprised as you are. Je crois que Mike a été autant surpris que vous. He came and introduced himself to me as your petrified translator. Il est venu se présenter lorsque je suis arrivé comme étant son interprète terrifié. But God has given him great grace. Mais Dieu a accordé grâce. I want just to tell a little incident that Ralph's brother tells. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote que le frère de Ralph, Marshall, en Angleterre, raconte. I've never really met Ralph until this time. Je n'ai jamais rencontré Ralph jusqu'à cette retraite, vraiment. But, I had just caught sight of him in an OM meeting some years ago. Je l'ai aperçu lors d'une conférence d'OM il y a quelques années en arrière. But I've known his brother, Marshall Challis, very well over the years. Je connais son frère, Marshall Challis, très bien. He was an evangelist in the same society in which I worked. Il était évangéliste avec le même mouvement que moi autrefois. And we came to love one another very much. Et nous avons appris à nous apprécier et à nous aimer beaucoup. And Marshall, when he's preaching a message to a cleansing for Christians, has used this illustration. Et Marshall, alors qu'il apporte ce message de purification pour les chrétiens, a utilisé cette anecdote. As of course you know, the Challises were brought up in Spain. Comme vous le savez, les enfants Challis ont été élevés en Espagne. Where their parents were missionaries. Où leurs parents étaient missionnaires. And Marshall tells how sometimes his parents had to move their home from one village to another in their work. Et Marshall raconte comment ses parents ont dû déménager souvent à cause de leur ministère. And they would collect all their belongings on a cart. Et ils ont mis toutes leurs affaires sur un char. And begin to move them. Et ils ont fait leur déménagement ainsi. Now one of their most prized possessions was a bath. Et l'une de leurs possessions principales et qu'ils avaient beaucoup estimé, c'était une baignoire. And when they got all the other possessions on the cart, on the top was this precious bath. Et lorsqu'ils avaient tout chargé sur... Tu ris avant, toi. We're forgiven. Et lorsqu'ils ont tout chargé sur ce char, ils ont mis au-dessus de tout la baignoire. All the children had been washed in that bath over the years. Tous les enfants Challis avaient été baignés dans cette baignoire depuis des années. And all the family had. Toute la famille également. It was a very important possession. C'était une family. Possession très précieuse pour la famille Challis. But as the villagers gathered round to watch the Challises move their possessions, et alors que les villageois se rassemblaient pour voir le déménagement des Challis, they pointed to that bath. Ils ont regardé cette baignoire. You see that bath? Vous voyez cette baignoire? They must be very dirty people. Ils doivent être les gens bien sales, les Challis. Well, we all know it wasn't they who were the dirty people, it was the others. Mais nous savons tous que ce n'était pas eux qui étaient sales, c'était les autres. It's because of their constant use of the bath that they were clean. C'était à cause de l'utilisation
de cette baignoire de par les villageois qui étaient maintenant propres. But they misinterpreted it. Mais eux, ils ont mal interprété cette baignoire. They thought they must be very dirty. Ils ont pensé que c'était les chalices qui étaient bien sales. And the illustration was this. Et l'illustration est la suivante. When people hear of us going so frequently to Jesus, lorsque les personnes entendent parler que nous nous approchons fréquemment de Jésus pour être purifiés, and sharing in fellowship meetings new experiences of his cleansing blood. Et alors que nous partageons dans des rencontres de nouvelles expériences de la purification de par son sang. Not everybody understands. Il y a bien des personnes qui ne comprennent pas cela. They've not been in the habit of repenting over little things. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de se repentir de tout un tas de petites choses. They've not been in the habit of being cleansed in the blood of Jesus so frequently as that. Ils n'ont pas, eux, l'expérience d'avoir été purifiés aussi fréquemment de par le sang de Jésus. And they're inclined to think that the people who are always repenting and always being cleansed are must be very dirty people. Et ils ont parfois l'impression que ces personnes qui sont toujours en train de se repentir, toujours en train d'être purifiées et témoigner de cela, doivent être des personnes bien sales. Of course it's the reverse which is true. Mais c'est bien sûr, c'est le contraire qui est vrai. They're the dirty ones. Ce sont les personnes qui ne le font pas qui sont sales. The only clean ones are those who are being constantly washed and made whiter than snow in the blood of Jesus. Les personnes qui sont pures, ce sont celles qui ont été constamment lavées de par le sang de Jésus et qui sont devenus plus blancs que la neige. So let's not be discouraged by the fact that not everybody will understand. Donc il ne faut surtout pas se laisser décourager par le fait que tout le monde ne nous comprend pas. Let's go on being willing to wash our robes and make them white again and again in the blood of the Lamb. Continuons à vouloir constamment se repentir et se laisser purifier par le sang de l'agneau. And then there's another thing that people misunderstand. Et puis il y a autre chose que les personnes comprennent mal. Now these experiences of the cross are very precious to us. Ces expériences autour de la croix de Jésus sont très précieuses pour nous. Especially the liberty that comes to our souls as a result. Et surtout cette liberté qui nous arrive comme conséquence. And very often, if you want to give a testimony, you'll testify about that. Et souvent, si vous voulez rendre témoignage, vous allez témoigner de cette liberté. And it's important that we should. Et c'est important cela. We overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Et nous surmontons les tactiques de l'ennemi par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. But when people share experiences like that, mais alors que les personnes partagent de telles expériences, some people criticize. Il y a des personnes qui critiquent. I don't like meetings like that. Je n'aime pas de telles rencontres. Hanging out our dirty linen for everybody to see. Où chacun sort son linge sale. Well, I want to say we're not hanging out dirty linen. We're hanging out clean linen. Mais nous ne sommes pas en train de sortir du linge sale, mais du linge propre. We're giving praise to Jesus for the power of His blood. Parce que nous sommes en train de rendre gloire à Dieu pour la puissance de son sang. And what we're sharing is the wonderful cleansing that's ours. Et ce que nous sommes en train de partager, c'est la purification qu'est la nôtre. So no, let's not be discouraged by anybody who may say that. Donc ne soyons pas découragés par quiconque ne nous comprend pas. We're hanging out clean linen. Nous sortons notre linge propre pour les autres. Sometimes we blurt it out very early in the process. Parfois nous partageons ces choses un petit peu précipitamment. But even if perhaps we haven't got quite through. Mais même si nous n'avons peut-être pas tout compris ou tout atteint. At that very moment, it's in the process of being washed. C'est au moins à ce moment précis dans le processus. Where it is in the washing machine. C'est dans la machine à laver. And by the time he's finished his testimony, he's praising. Et au moment où il termine son témoignage, il est en train de louer Dieu. And so, I just share those two thoughts. Donc je partage ces quelques pensées. And they came back to me very much as I was talking to Brother Ralph this morning. Et ces pensées me sont revenues dans le cœur alors que je parlais avec notre frère Ralph ce matin. I'm sure that family prayed, were thankful for that wonderful bath. Je suis sûr que la famille Chalice était très reconnaissante pour la baignoire qu'il possédait. This is we praise the Lord for this ever available blood of Jesus. Tout comme nous louons Dieu pour ce sang toujours efficace de Jésus. God's standing provision for the cleansing of his saints. La provision permanente de Dieu pour la purification des saints. And the abundance of the results. Et l'abondance des résultats. By its power, even the most failing of us can enter into the holy of holies of God's presence. Par la puissance du sang de Christ, même ceux d'entre nous qui connaissent le plus d'échecs, nous pouvons pénétrer avec audace dans le lieu très saint. One moment you felt such a failure. À un moment donné, en se sent un échec misérable. The next moment the cleansing blood has reached you. Et puis de suite après,
l'efficacité du sang de Christ et on découvre que l'on peut pénétrer dans le lieu très saint comme cela, si cela nous appartenait. And it does belong to you. Et ce lieu nous appartient. It's made yours by the power of the blood. Ce lieu nous est acquis par la puissance du sang de l'agneau. It can be your home. C'est notre foyer. And you mustn't think that if anything goes wrong, immediately you get out of the Holy of Holies. Et il ne faut surtout pas penser qu'à partir du moment où il y a une petite faille, on doit quitter le foyer. The blood of Jesus avails in the Holy of Holies. Le sang de Christ est efficace dans le lieu très saint. Just as quick as you say, yes, Lord, you're free. Aussitôt confessé, on est libéré. We only get back into the outside when we become stubborn and won't say yes. Nous ne quittons le foyer, ce lieu très saint, qu'à partir du moment où nous devenons têtus et bornés et où nous refusons de confesser. And no matter how long we've been outside. Et même si nous avons été à l'extérieur de ce lieu très saint bien longtemps. Even then, the moment when at last you do say yes. Même là, à partir du moment où nous confessons. Yes to His conviction. Oui à la lumière et à la révélation qu'il nous montre. Even you are brought back again. À ce moment précis, nous pouvons pénétrer à nouveau dans le lieu très saint. So praise the Lord for this. Donc, gloire à Dieu pour cela. Now we're going to the last of our little series. Nous arrivons donc à la fin de notre petite série. I want us to read portions of Philippians 2 and 3 together. J'aimerais que nous lisions quelques versets des deux chapitres de cette épître aux Philippiens, les chapitres 2 et 3. Return to Philippians 2. D'abord au chapitre 2. And I want someone to read for us. Quelqu'un voudrait-il lire? Chapter 2, verses 9 to 11. Les versets 9 à 11 au chapitre 2. Someone with a rich, strong voice. Quelqu'un avec une voix forte et puissante qui puisse lire ces quelques versets. Verses 9 to 11 of chapter 2. Versets 9 à 11 du chapitre 2. C'est pourquoi on dit que la souverainement élevée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous nous fléchissent vers les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. That's the positive side of Philippians, of that passage in Philippians 2. Ça, c'est le côté positif de ce passage dans ce deuxième chapitre. Now the positive side of the passage in Philippians 3. Et maintenant aussi le récit positif dans ce chapitre 3. I want someone to read verses 7 to 11 of chapter 3. J'aimerais que quelqu'un d'autre puisse lire des versets 7 à 11 du chapitre 3. Le société pour moi un gain, je le considérerai comme une perte. Et même je considère que nous sommes une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection dans son mort. Thank you. Merci beaucoup. In our past studies, we've seen the things that Paul used to count gain. Dans nos études précédentes, nous avons vu les choses que Paul estimait comme étant ses gains. And a very impressive list of things they were. Et c'était une liste bien impressionnante. Little wonder that people looked up to him in those days. Ce n'est pas étonnant que tout le monde estimait Saul de Tarse à ce moment-là. He had such a lot going for him. Il avait quand même tant de qualités. And all these things had to do with his righteousness. Et toutes ces choses tournaient autour de sa propre justice. It didn't necessarily mean he was wealthy. Cela ne voulait pas dire qu'il était forcément aisé, prospère sur le plan matériel. Except in the matter of righteousness. Mais il était aisé quant à sa propre justice. And there he considered himself wealthy indeed. Et à cet égard, il se considérait comme étant très riche. More wealthy than the average. Bien plus riche que l'homme moyen. In the matter of righteousness. Dans ce qui concernait sa propre justice. In the matter of moral and religious status.
en ce qui concernait son statut moral religieux, even God had to respect a man like that. Même Dieu devait respecter et estimer un homme tel que Saul de Tarse. At least that's what he thought. Tout au moins c'est ce que pensait Saul. And certainly his fellows ought to respect him. Et surtout donc ses concitoyens. That was the man going up. C'était l'homme qui grimpait les échelons. And then we looked again at Jesus. Praise his name. Et puis nous avons jeté un regard sur la personne de Jésus. Gloire à son nom. And we saw that he had all the gains that could possibly be. Et nous avons vu qu'il avait tous les gains qu'il était possible à quelqu'un de posséder. We begin with him in the form of God. Nous avons commencé notre récit avec Jésus existant en forme de Dieu. But we saw Jesus counting all those precious gains lost. Mais nous avons vu Jésus qui a estimé que toutes ces choses étaient comme une perte. For our sakes, empty himself of them all. Et pour nous, il s'est dépouillé de toutes ces choses. And those things he counted lost all had to do with his righteousness. Et toutes ces choses qu'il a donc mis de côté avaient affaire avec sa justice. It's certainly the last step had to do with his righteousness. Et surtout, le dernier pas qu'il a pris avait affaire avec sa propre justice. He not only became obedient unto death, non seulement est-il devenu obéissant jusqu'à la mort, but unto a certain sort of death, mais jusqu'à une mort bien particulière. The death of the cross. La mort de la croix. One which was reserved only to criminals. Une mort réservée pour les criminels. And everybody thought he was a criminal. Et tout le monde pensait qu'il était un criminel. And Jesus said nothing to disabuse them. Et Jésus ne s'est pas défendu devant cette pensée. He just let them think it. Il a laissé chacun penser ce qu'il voulait. We were the criminals. Nous étions les criminels. It was our place he took. Il a pris notre place. But everybody thought that he deserved it. Mais chacun pensait que c'était lui qui méritait cette place. There was a famous British preacher of a generation or two ago. Il y avait un prédicateur renommé en Angleterre il y a deux générations en arrière. Called Thomas Parker. Il se nommait Thomas Parker. And he was famous for the way in which he read the scripture. Et il était connu pour sa manière de lire les Écritures. He would pause every now and then as he read the scripture and make a little comment. Il s'arrêtait de temps en temps dans ses lectures pour apporter un tout petit commentaire. And they were very inspired. Et ses commentaires étaient inspirés. And there has been published a big copy of the Bible called Parker's Bible. Et on a même publié une édition de la Bible intitulée La Bible Parker. And in the margin there are the comments he used to make. Et dans les marges de cette Bible, il y a les commentaires que cet homme avait l'habitude de faire. Just a phrase here and a phrase there. Une phrase par-ci, une phrase par-là. As he was reading publicly the scripture. Alors qu'il lisait publiquement les Écritures. And Dr. Campbell Morgan, another famous preacher. Un autre prédicateur renommé, le Dr. Campbell Morgan. Tells how when he was a young man, he went to hear Dr. Parker preach. Il raconte comment, lorsqu'il était tout jeune, il est allé écouter le Dr. Parker qui prêchait. And he heard Dr. Parker read Isaiah 53. Et il a écouté le Dr. Parker lire Ésaïe 53. And he read the passage where it says he was a man of sorrows and acquainted with grief. Et il a lu le passage où il est dit qu'il était un homme de douleur et où il connaissait, habitué à la souffrance. And he hid as it, and we hid as it were his face, our faces from him. Et nous avons caché nos visages devant lui. It says that we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Nous l'avons estimé comme puni, frappé de Dieu et humilié. There he was put to shame. Voilà l'homme mis en honte. And we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. It's implied for something he'd done. Et cela est impliqué qu'il a été frappé pour ce qu'il avait fait lui-même. This was the common attitude of the world. C'était l'attitude courante du monde. And we joined in it.
Et nous, nous sommes joints à cela, nous nous sommes unis à cela. We esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. Nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Afflicted on his own account, that means. Mais à cause de ses propres fautes. But Parker didn't make that explanation. Mais Parker n'a pas expliqué l'Écriture ainsi. Somehow, as he read that scripture, people got the point. Alors qu'il a lu cette Écriture, les personnes avaient compris le véritable sens. We did esteemed him stricken. Smitten of God and afflicted. Nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. And this was his comment. Et voici donc son commentaire. But we were wrong. Mais nous avions eu tort. He was wounded for our transgressions. Il était blessé pour nos péchés. Bruised for our iniquities. Brisé pour nos iniquités. And the chastisement of our peace was upon him. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Wasn't that powerful? C'était puissant. But we were wrong. Nous avions tort. He hadn't done anything. Il n'a rien fait qui méritait ce châtiment. He was not wounded and afflicted by God for something he'd done. Il n'a pas été puni ou frappé de Dieu pour quelque chose que lui, il avait fait. But we thought it was. Mais nous, nous pensions que c'était cela. But we were wrong. Mais nous avions eu tort. He was wounded for our transgressions. Il a été blessé pour nos iniquités. Bruised for our iniquities. Il a été frappé à cause de nos iniquités. The chastisement to achieve our peace was upon him. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. And he was willing for people to think that of him. Mais il était prêt à ce que les personnes pensent le contraire à son sujet. Yes, he counted all those gains losses. Il a estimé tout ce qu'il avait comme gain comme une perte. But the most precious of the gains was his righteousness. Mais ce qu'il avait de plus précieux, c'était sa vraie et sa propre justice. And being willing to die as a criminal and not explain it, he lost his righteousness. Et il était prêt à mourir comme un criminel sans se défendre et ainsi il a perdu sa propre justice. Well, we've seen that the other morning. Nous avons vu donc cela ces deux dernières matinées. No harm in emphasizing it once again. Et il nous faut donc juste faire un résumé une fois de plus. All the things that he used to count gains. Toutes les choses qu'il considérait comme des gains. But Jesus counting far bigger gains, dead loss for Paul. Toutes les choses que Paul comptait comme des gains, mais Jésus avait des choses bien plus importantes comme gains, et puis il les a considérées comme une perte afin de gagner Paul. And you could imagine the effect on Paul when the man going up met that other man coming down. Et vous pouvez vous représenter l'impact dans la vie de Paul alors que cet homme qui grimpait a rencontré cet homme qui s'est abaissé. And in the verse we read this morning, he said. Et dans le verset que nous avons lu ce matin, what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. And he who'd been the man going up, et lui qui avait été jusqu'alors l'homme qui grimpait, changed his direction. Il a changé de direction. And he joined Jesus on the way going down. Il a fait donc volte-face et s'est uni, s'est identifié avec Jésus qui s'abaissait. Now that way, that going down was not the end for Jesus, nor was it for Paul. Mais ce chemin d'humiliation volontaire n'était pas la fin, ni pour Jésus, ni pour Paul. Because we read this morning, wherefore God also hath highly exalted him. Car nous avons lu ce matin, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Why did God exalt Jesus as he did to the highest place in the universe? Pourquoi Dieu a-t-il élevé Jésus jusqu'à la situation la plus importante dans l'univers? Not merely because he was his son. Non seulement parce qu'il était son fils. But because he humbled himself in the way he did. Mais parce qu'il s'est humilié comme il l'a fait. Wherefore God hath highly exalted him. C'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. That was the reason. C'était là la raison. Jesus himself had said in Luke 14, whosoever humbleth himself shall be exalted. Jésus nous dit lui-même en Luc 14, celui qui s'humilie sera élevé en tant qu'envenable. That he says is a principle running through life. C'est un principe dans la vie. And he demonstrated it in himself. Et il l'a incarné, il l'a démontré dans sa propre vie. Or rather God did. Plutôt Dieu l'a fait dans sa vie. Here is the great illustration of whosoever humbleth himself shall be exalted. Et en Jésus, nous avons l'illustration, le modèle extraordinaire de ce verset qui dit, celui qui s'humilie sera élevé. Seen supremely in the case of Jesus. Nous le voyons de façon extraordinaire dans la vie de Jésus. And so the way down was not the end for Jesus. Donc,
ce chemin de l'humiliation et de l'abaissement, ce n'était pas la fin pour Jésus. Because he went down, God raised him up. Parce qu'il était prêt à s'abaisser, Dieu l'a souverainement élevé. And gave him the supreme place. Et lui a donné cette place suprême. A name above every name. Un nom au-dessus de tout nom. And have ordained that every knee should bow to Jesus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. And every tongue confess that he is Lord. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. And that includes the world's dictators. Cela inclut les dictateurs de ce monde. Those who have the power of arbitrary life and death in their hand over their fellows. Tous ces tyrans qui ont le pouvoir de vie et de mort. And who have been responsible for such atrocities? Et qui ont été responsables pour des atrocités terribles dans notre monde? Who rule so large a portion of the globe? Qui règne des superficies incroyables de notre globe? And even they are going to have to bow. Mais même ceux-là vont devoir se plier le genou. Some people have said, you know, you must keep politics out of the gospel. Il y a des personnes qui disent, mais il faut écarter la politique de l'évangile. The message of Jesus is about the most political message there is. Le message de Jésus, c'est probablement le message le plus politique qui soit. In this sense. Dans ce sens-ci. I must qualify myself in this sense. Je dois qualifier ce que je dis. That the world rulers are going to bow to our Jesus. C'est que les puissants de ce monde vont devoir se plier devant notre Seigneur Jésus. He is going to rule, be the world ruler this universe. Il va devenir celui qui règne sur ce monde. And all because he went so low. Et tout cela parce qu'il s'est humilié. Oh, and we want to dwell on the great station to which God has given his son. Nous devrions contempler, n'est-ce pas, cette situation suprême que Dieu a donnée à son fils. And know that the greatest and the greatest are having to bow to him. Et savoir que même les plus puissants et les plus grands vont un jour se plier devant le Seigneur Jésus. And we're going to be united with him in that trial. Et nous allons être unis à lui dans ce triomphe. We're not only on the winning side, we're on the side that's already won. Non seulement est-ce que nous faisons partie du côté dans ce combat qui est en train de gagner, mais dans un sens du côté qui a déjà remporté la victoire. No, the way down wasn't the end for Jesus. Non, le chemin de l'abaissement, ce n'était pas la fin pour Jésus. Nor was it for Paul. Non plus pour Saul de Tarse. It wasn't only merely a case of counting his gains, losses. Ce n'était pas uniquement pour Paul une question de compter ses gains comme une perte. It wasn't only a case of coming down off his pedestal. Ce n'était pas uniquement une question de descendre de son piédestal. And taking the place of a sinner at the feet of Jesus. Afin d'accepter la place d'un pécheur aux pieds de Jésus. And losing all those gains that he once treasured. Et perdre tous les gains qu'il estimait précieux autrefois. Because he went down with Jesus. Parce qu'il a accepté de s'abaisser avec Jésus. He came up with Jesus. Il a été aussi élevé avec Jésus. Because he was planted in the likeness of his death, he also was in the likeness of his resurrection. Puisqu'il a été planté, greffé en lui dans sa mort, ainsi de même dans sa résurrection. Not only in eternity, but there in earth. Mais non, partook of that resurrection. Non seulement dans l'éternité, mais aussi de son vivant sur la terre, il a partagé dans cette vie de résurrection. And as he gave up his old gains. Et alors qu'il a laissé de côté ses anciens gains, and counted them lost, et lorsqu'il les a estimés comme une perte, he received a whole set of new gains. Il a reçu tout un ensemble de nouveaux gains. By comparison with which the old ones were just a whole set of dung. Et en comparaison avec les gains qu'il avait autrefois, ces gains d'autrefois n'étaient comme de l'ordure. The things in which he was once proud. Les choses qu'autrefois il estimait et devenait et était pour lui un sujet de fierté, so much done, tout d'un coup sont devenus pour lui comme de l'ordure, alors qu'il pouvait les comparer avec les gains qu'il recevait maintenant en Christ. And we want to look at those gains. Et nous voulons méditer sur ces gains ce matin. I want to tell you straight away, I'm not going to do justice to this. Je vous dis tout de suite que je ne vais certainement pas apporter ce message avec toute la justice que ce message mériterait. I would like to sit at the feet of my brethren and hear them expound. Moi, j'aimerais bien me mettre à l'écoute de bien d'autres frères pour savoir ce que eux ils auraient à dire sur ces gains extraordinaires qui sont les nôtres. Mais nous pouvons les regarder ensemble et les méditer ensemble. And seek what new light God will give us. Et nous pouvons voir quelle nouvelle lumière Dieu va nous accorder ce matin. But before we look at those gains, I want to look at this. Turning point verse. Mais avant de regarder ces gains, je voudrais juste jeter un coup d'œil sur ce verset clé. Verse 7. Le verset 7.
Chapter 3, verse 7. Le chapitre 3, au verset 7. What things were gain to me, those I counted loss for Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. I remember when I first heard this passage as a young Christian. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu un message sur ce passage en jeune chrétien. I felt the beauty of it. J'ai ressenti toute la beauté de ce passage. Not only that verse, but the following verse. Non seulement ce verset 7, mais le verset suivant. Darkness and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. I felt the beauty of those words. J'ai ressenti la beauté profonde de ces I paroles. I felt the poetry of those words. Pour moi, c'était comme une poésie extraordinaire. I felt the nobility of them. La noblesse de ces paroles. I may not have understood truly what it all meant. J'ai probablement pas tout compris quant à le sens. And I may not have experienced it all. Et je n'ai probablement pas tout expérimenté. But for years, these words glowed to me. Mais pendant des années, ces versets, ces paroles ont été pour moi une source de joie. A great change in Paul's bookkeeping, his account keeping. Ici, nous avons un changement extraordinaire dans la comptabilité de l'apôtre Paul. Les choses qu'il avait autrefois estimées comme des gains sont tout d'un coup devenues une perte. Mais j'aimerais que nous constations la progression dans ce verset. He begins by saying what things? Il commence en disant, mais ces choses, things that he used to count gain, les choses qui étaient pour lui des gains, those were losses. Était désormais une perte. And you can see what those things were. Et on peut constater quelles étaient ces choses. He has just listed them. Il venait de les énumérer. But then he goes on to say, yea, doubtless I count all things but loss. Mais il continue en disant, mais je regarde toutes choses comme une perte. Not only those particular things, but all things. Non seulement ces choses bien énumérées et précisées quelques versets auparavant, mais toutes choses, il considère comme une perte. Everything was really robbed of real value to him compared with Jesus. Rien du tout n'avait de la valeur en comparaison avec la connaissance de Jésus-Christ. Not only what things, but all things. Non seulement ces choses précises, mais toutes choses. And that's pretty inclusive. Et cela inclut anything that competes for your heart's affection with Jesus. Tout ce qui peut entrer en compétition pour votre attention, votre préoccupation avec le Seigneur Jésus. I have sometimes had problems with hobbies. J'ai eu parfois des difficultés avec les hobbies, des passe-temps. And I can get tremendously wrapped up in them. Et je peux être vraiment préoccupé avec mes passe-temps. I won't tell you what my little toys are that I get so wrapped up in. Je ne vais pas vous raconter quels sont mes petits jouets préférés. But there are times when God says that stuff in the wrong place. Mais parfois Dieu me dit, tu sais, ce petit jouet-là, ça a pris trop d'importance dans you ta vie. You counted some things but lost, but all things, please. Tu as compté certaines choses comme une perte, mais moi je te demande de compter toutes choses comme une perte. In some cases, it meant giving up a hobby completely. Et parfois cela a voulu dire pour moi que je devais abandonner complètement ce passe-temps. In other cases, he allowed me to have it, but it was demoted. Et dans d'autres cas, il m'a permis de continuer avec ce passe-temps, mais il fallait prendre bien moins de temps avec. To its right lower place. Pour que ce passe-temps occupe une place juste. And then there's another little contrast here. Et il y a aussi un autre contraste dans ces versets. Not only did he count these things lost, non seulement est-ce qu'il les a estimés comme étant une perte, but he suffered the loss of all things. Mais il a effectivement perdu toutes ces choses. He says, for whom I have suffered the loss of all things. Car il dit, j'ai subi la perte de toutes ces choses. He not only counted, non seulement est-ce que c'était une question de comptabilité, social position, as important, as nothing. Quant à sa position sociale, but he actually suffered the loss of it. Non seulement est-ce qu'il a compté comme une perte, mais il l'a perdu. All the important people in Judaism dropped him. Toutes les personnes importantes dans la religion juive l'ont laissé tomber. He was no longer welcome in certain circles. Il n'était plus le bienvenu dans certains milieux. He no longer received invitations to certain events to which he was always out in the front. Il ne recevait plus des invitations pour des convocations et des rencontres où il était toujours à la première place. It's all right for you to say the world is dead to me. C'est très bien de dire mais le monde est mort pour moi.
But it isn't so easy when you discover that you are dead to the world. Mais c'est pas aussi facile lorsque vous découvrez que vous êtes mort au monde. That they no longer include you. Et que finalement ils ne vous incluent plus dans leurs activités. He suffered the loss of all things. Paul a effectivement subi la perte de tout. But how much else is included? Mais il y avait bien d'autres choses incluses là-dedans. He never had a domestic life. Il n'a jamais eu une vie de couple, de famille, de foyer. He never had the joy and comfort. Of a wife. Il n'a jamais connu la joie et le réconfort d'une épouse. He never knew the blessedness of a home, of children. Il n'a jamais connu la bénédiction des enfants. For Christ, he actually suffered the loss of all things. Et pour Christ, il a effectivement subi la perte de toutes choses. And he became a tramp preacher for the rest of his days. Et puis il est devenu un genre de prédicateur itinérant clochard pendant le restant de ses jours. He suffered the loss. Il a subi la perte de toutes choses. And you know, you shall find that it isn't only a matter of counting certain things lost. It may come to we actually suffer the loss of them. Et il ne s'agit pas uniquement de finalement faire une de faire de ça une question de comptabilité, d'estimer toutes choses comme une perte, mais pour arriver au point où finalement on subit la perte. But there's another contrast here. Il y a un autre contraste ici. He not only counted them lost. And suffered the loss, but having suffered the loss, he regarded them as done. Non seulement est-ce qu'il a estimé toutes ces choses comme une perte, il les a effectivement perdues, et en plus, il a compté toutes ces choses comme étant de la boue. He might have begun by counting them lost. Peut-être a-t-il commencé en estimant toutes ces choses comme étant une perte. And then actually suffered the loss. Par la suite, a-t-il probablement perdu effectivement ces choses. But he could still cherish some regret that he'd lost them. Mais il aurait pu peut-être encore dans son cœur avoir quelques regrets des choses qu'il avait perdues. He could have said, if I hadn't gone the way of Jesus, I could have been a member of the Sanhedrin by now. Il aurait pu se dire dans son cœur, si je n'avais pas suivi finalement le chemin de Jésus, aujourd'hui j'aurais pu être membre du Sanhédrin. I could have been one of the most important people in Jerusalem. J'aurais pu être l'un des personnages les plus importants de Jérusalem. I could have had that wonderful, comfortable home. J'aurais pu avoir cette maison tellement grandiose et confortable. I could have been one of the great names in Judaism. J'aurais pu être l'un des hommes les plus réputés du judaïsme. And he could give up counting them lost. Et il aurait pu, He could have given up his stand of counting them lost. Et il aurait pu finalement abandonner cette position d'estimer toutes ces choses comme une perte. But he didn't. Mais il l'a pas fait. He had no regrets his loss. Et il n'avait aucun regret quant à ses pertes. Member of the Sanhedrin? Membre du Sanhédrin? Da. La boue. What a word. Quel mot. I don't know what word you use. In the French translation. Je ne sais pas quel mot vous employez en français. But the old original translation in English uses this very terrible word, dung. C'est donc le mot anglais, c'est effectivement fumier. That's what he counted it. C'est cela, il a estimé que ces choses étaient comme du fumier. No regret. Aucun regret. Just dung. Seulement du fumier. And you know, it was all because of the excellency of the knowledge of Christ. Et tout cela à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. He got something that utterly excelled what he'd lost. Il avait acquis quelque chose qui dépassait de loin tout ce qu'il avait perdu. And you could well look back and say, if I hadn't taken that course. Et on pourrait parfois regarder en arrière en disant, mais si jamais je n'avais pas accepté ce chemin-là, I could have got an academic degree by now. J'aurais pu obtenir ma licence en telle ou telle matière. I could have become qualified for a high position. J'aurais pu accepter et obtenir un diplôme pour devenir quelqu'un dans ce monde. I could have been respected by people. Je serais maintenant estimé de tous. But you know, you and I have got to so see that we've got in Jesus that which excels them all, that by comparison all those things are a lot of dark. Mais nous avons à voir que ce que nous avons acquis en Christ est tellement bien plus important que toute autre chose par comparaison, c'est comme du fumier. The more I read this passage, the more wonderful it becomes. Et le plus que je lis ce passage, le plus qu'il m'émerveille. And I feel my soul just so attracted to this man. Et mon âme est tellement attirée à cet homme Paul. And the surrender he made was so complete. Et l'abandon de l'apôtre Paul était un abandon complet. And so joyous. Et avec joie.
And in no sense did he regard himself as a martyr. Et pourtant, il n'avait jamais ce complexe de martyr. He regarded himself as a gainer all the way along. Il estimait gagner tout au long du chemin. And so it could be with us. Et ça doit être ainsi avec nous. We all know about the story of the missionaries to the Orca Indians. Nous connaissons tous ce récit des missionnaires qui sont allés en Équateur parmi les Auca, who lost their lives in bringing the gospel to them. Donc ces cinq missionnaires qui ont perdu la vie pour leur apporter l'évangile. And we've doubtless read the book by the one called Eliot. Et nous avons certainement lu, au moins en anglais et en allemand, le livre de Elizabeth Eliot. I was amazed how mature that young man was for his youth, in spite of his youth. Je suis étonné de voir la maturité de ce jeune homme, tout en étant si vif, si jeune. And he said those great words that have been so often quoted. Et il nous a laissé ces paroles qui ont été si souvent citées par la suite. He is no fool who loses what he cannot keep in order to gain what he cannot lose. Il n'est pas sot celui qui est prêt à perdre ce qu'il ne peut gagner afin de qui ne peut pas garder afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. That is what Paul said. Et voilà ce que Paul a dit. Amen. Amen. All right, now what are the gains then? Quels sont donc les gains? I count all things but loss that I may gain Christ. Je regarde toute chose comme une perte afin de gagner Christ. He couldn't have both. Il ne pouvait pas avoir les deux. He couldn't have the world. High estimation in Jesus. Il ne pouvait pas avoir les gains du monde en plus que Jésus. But he made his choice. Il a choisi. He counted all things but loss that he might gain Christ. Il a estimé toute chose comme une perte afin de gagner Christ. What a wonderful gain! Quel gain remarquable! In the previous verse, the previous verse, he talks about the excellency of Christ Jesus, my Lord. Dans ce verset, il parle donc de l'excellence de Jésus-Christ, mon Seigneur. Now that word excellency isn't just a poetic word. Et ce mot l'excellence n'est pas uniquement un mot poétique ou un adjectif qualificatif. It simply means that which excels. Cela veut dire ce qui excède, dépasse. And to have Christ. Et utterly excelled all the rest. Et avoir Christ dépasse de loin tout le reste. Now this is very interesting because in another part Paul tells us that Christ is the gift of God for sinners. Et dans un autre passage, Paul nous rappelle que Christ c'est le don de Dieu pour les pécheurs. And he's received by faith. Que nous devons le recevoir par la foi. And not by works. Non par les œuvres. And yet here he uses another way of putting it. Et pourtant ici, il utilise une autre expression pour exprimer la même vérité. He counted all things lost to gain Christ. Il estime toute chose comme une perte afin de gagner Christ. If it costs me everything, I'm going to heaven. Même si cela me coûte tout, je veux le gagner lui. Now I'm not going to try and reconcile those two. Je ne vais pas essayer de réconcilier ces deux passages. Both are true. Les deux sont vrais. If Paul had said no, I can't risk my reputation. Si Paul avait dit non, je ne vais pas risquer ma réputation, he couldn't have had Christ. Il n'aurait jamais pu acquérir la connaissance de Christ. He would have been lost. Il aurait été perdu. But he somehow saw the glory of Jesus. Mais il a vu la gloire de Jésus. He said, I've had everything but lost. He the pearl of greatest price. Et il a dit que je compterais et j'estimerais toute chose comme une perte afin de gagner ce perle de grand prix. Of course, we hardly are in a position to make such a choice when we first accept Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours en mesure de faire un tel choix alors que nous acceptons Christ pour la première fois. We haven't really discovered fully the riches that are Jesus. Nous n'avons peut-être pas découvert toutes les richesses en Christ. His preciousness. Tout ce qu'il y a de précieux en lui. But as we do, mais au fur et à mesure que nous le découvrons, we can look about back upon the things that we counted loss and perhaps count gain and still do. Nous pouvons regarder en arrière sur les choses que nous avons peut-être estimées comme une perte, ou même sur les choses que nous estimons encore comme des gains. And we know we can't really enjoy what is Jesus, what is in Jesus. Et nous savons que nous ne pouvons pas jouir pleinement de ce qui est en Jésus. Unless we're prepared to let our gains become loss. À moins de compter nos gains comme une perte. And I say again, chief of which is our righteousness. Et je répète une fois de plus, notre gain le plus précieux pour nous, c'est notre propre justice. I want to say you cannot have your own righteousness in Jesus.
Je veux vous répéter, vous ne pouvez garder votre propre justice et avoir Christ. And you will find yourself facing that thing at each successive act of repentance. Et vous allez découvrir que vous allez faire face à ce même problème à chaque fois que vous devez repentir. To admit to being wrong in a matter. Admettre avoir eu tort dans telle ou telle circonstance. And take the sinner's place. Prendre in la place du pécheur dans cette situation. Always means losing so much more of your reputation. Chaque fois, ça veut dire qu'on perd de notre propre réputation, de notre propre justice. If it were possible to get things right, it utterly in private. Well, you might not lose much reputation. S'il était possible de régler toutes les histoires en privé, entre amis, peut-être on ne perdrait pas autant de sa réputation. But so many of our sins relate to other people. Mais la plupart de nos péchés ont affaire avec d'autres personnes. And in getting right with God, we've got to get right with them. Et en se mettant en règle avec Dieu, il faut se mettre en règle avec eux. And we don't get right by telling them where they're wrong. Et nous ne pouvons pas nous mettre en règle en leur indiquant là où eux ils ont tort. Only by admitting where we're wrong. Seulement en admettant là où nous, nous avons tort. And then if you ever want to, if Jesus says, now I want you to give a testimony. Et si Jésus nous dit, mais maintenant je voudrais que tu rendes témoignage. Well, that's very humbling. Cela est très humiliant. You're going to lose your reputation. Tu vas perdre ta réputation. And when you go...